hein, qui est un responsabilité assurée coordination, hein, qui est le porte-parole, il y a l'ancien sénateur Rodolphe Choisy, et il y a Mme Jessie Milos, qui est le porte-parole, il y a M. Dédé Malcazar, qui est le rapporteur, et puis il y a trois membres, M. Renal Péry, Jules-Charles Faustin, et Maître Josué Bielou. Alors, au-delà de Jean Labogani, non, il y a une méthode de travail, on va être une méthode de travail là, c'est parler à tout le monde. Tout le monde qui veut parler, bien sûr, parce que parler, c'est deux mondes qui parlent, parler chita et sous volonté, sauf que parler sans babouquette, parler sans un esprit partisan, donc pas un porte-parole pour voir, nous basons là, et le président Jovenel Moïse, si vous voulez, c'est le président Jovenel Moïse qui mettait commission, mais il mettait commission parce que reconnaître qu'un problème n'est pas qu'à résoudre, c'est faire affaire à des citoyens par rapport à l'expérience, aux compétences, patriotisme, et puis l'implication autour, dans ce qui va passer dans la société, pour le voir et s'y ajoindre une solution. Alors là, nous avons un état d'esprit ouvert, nous prêter pour nous aborder n'importe quelle discussion sur n'importe quel sujet avec n'importe qui monde qui vous permet de trouver une solution. Monsieur Paul. Oui, monsieur Paul. Solution qui permet de nous sortir dans l'obéité à trouver le tien. Tout à fait. Hier, nous t'ai parlé là avec monsieur Jules-Charles Faustin et pour qu'on gagne, t'as qu'à dire, structure votre comité dans la commission. L'été, pour te dire que le comité, ça, c'est, enfin, commission, ça, son commission d'interface et non de médiation. Ça veut dire qui ça? Et l'autre question, qui ça qui peut être différent dans le travail commission, ça, par rapport à l'autre commission que le président Jovenel Moïse a déjà mis sous pied pour faciliter le dialogue avec différents acteurs politiques? Yo. Bon, chaque commission, son commission, chaque contexte, son contexte, chaque responsabilité, son responsabilité, peut-être. Et chaque l'autre commission n'est pas capable de servir, la commission a d'expérience pour ne pas passer sur le même route, pour ne pas passer sur la même place. Question interface, médiation, facilitation, tous ces concepts qui existaient dans une dynamique de négociation, d'ailleurs académique. Allez-y, monsieur. La question est dans une dynamique de dialogue, capable de négociateur, capable facilitateur, capable médiateur, et bon, interface là, c'est peut-être un groupe de négociateurs qui doit présenter un camp ou bien qui doit présenter un point de vue par rapport à l'autre groupe. Interface là, oui, nous sommes capables d'interface et l'autre groupe, mais nous capable faciliter tout dans le sens que nous faciliter un dialogue, nous faciliter joignons une entente sur des bagages qui paraissent irréconciliables, parce que ça qui priorise nous, c'est l'intérêt pays, c'est pas haïtien, c'est ça qui a passé, c'est mauvais nouvelles d'apprendre, maintenant dans des occupes d'accomplis, si on travaille nos villages, nos centenaires, village de Dieu, finalement, on vient de la guémonie, mais il y a aucun des machines, il y a plus un seul des chauffeurs. Pas quoi de politique dans ça, pas quoi mon ça, c'est tout opposition. Oui, penser son c'est le monde bandit, le grand chemin qui profite d'une situation politique et puis qui a pu faire des autres. Moi-même, bon, j'ai analysé la situation. J'ai analysé que M. Jovenel Moïse, il gagne une machine en main qui passe tête et qui même pas n'est pas sous cloche. Et alors, pour le monde qui conduit, l'homme aux machines. L'aile bastard, ou qu'on parle un petit poussac, ou qu'on lague, ou lever que le sous-côte, ça le pâti. Et puis, des fois, c'est pas une statue, elle vient, une transmission, un bon modèle. Pour machine, l'État, je dirais, estimé, c'est pas une statue, ni pâti sous-côte. Mais l'autre côté, opposition, une machine, même qui va y faire. Qui va y faire, et l'autre machine, qui va y faire, même le chauffeur, elle va y faire. Alors, c'est non, c'est ça, on sait comme ça, on va pas illustrer. Ça a passé là, personne n'a pas contrôlé rien. Okay. Personne n'a pas aussi. D'un côté, M. Moïse n'a pas contrôlé le pouvoir, mais de l'autre côté, opposition n'a pas contrôlé des aides qu'a fait dans la vie, et l'imposé des aides qu'a fait dans la vie. Et n'est pas capable de capacité financière parce que la machine n'a pas de fin. D'où la nécessité pour nous avoir un problème qui est
dépassé ni pouvoir ni opposition, qui affecte directement les citoyens au capitaine de là, qui déjà mène l'activité. Mon gaston autobus, il y a pour le payer pour un chaque mois, pour machine en plein large, il n'y a pas de mon qui fait du business, il a perdu business, mon qui a perdu job, mon qui l'hôpital, qui n'est pas capable de faire soin, après tout l'hôpital fait des actions, mon qui n'a plus besoin, pas capable de manger bayo, pour faire qu'il n'a la même pas parlé. On m'a dit dans prison, je le dis, ou pas d'un juge pour tenter, ou docteur, pour pas qu'à fonctionner. D'après que, il y a personne qui a fait pour tout. Monsieur Paul, monsieur Paul. Monsieur Paul, il y a des gens qui disent, en tout cas qui estiment, le comité ça, il est parti avec un gros désavantage, un gros déficit, dans le sens que c'est des copains, des amis de Jovenel Moïse, des membres de la famille PHTK qui l'a donné, et ou pas Jovenel Adam, ont personnalité ou bien un représentant de structure qui est plus ou moins neutre et qui gagne en capacité de convocation. Qui soit qui répond par rapport à ça, et monsieur Paul? Bon, pas de neutralité, on va chercher dans la partie là. On va chercher une concertation. C'est un problème quand on crée, on va pas être impliqué dans la crise là. C'est la radio même pas là pour comité du fait dans l'opposition. Le président, il est obligé de faire comité avec le monde qui développe là, on va se camper le monde. Cap d'accord entrer dans le comité que M. Jovenel Moïse a fait aujourd'hui. C'est un gros risque. Vous comprenez? Chaque monde prend une responsabilité par rapport à côté. Attends, M. Paul, ça traduit un gros problème si il y a des gens qui ne peuvent pas prendre chance d'entrer dans le comité et Jovenel Moïse mettait sur pied. Ça traduit un gros problème. Il traduit un problème parce que ça fait partie de crise. Là, oui, il traduit un gros problème. Il traduit un problème. Il y a des gens qui prennent dans la politique tout. Il y a des gens qui font pour il y a des gens qui font ce travail journaliste, il y a des gens qui font ça plus de travail dans le pays. Il y a des gens qui font ce business dans le pays, parce que vous avez des business. Il y a des gens qui font vivre dans le pays. Il y a des gens qui font le petit l'école dans le pays. Donc on ne peut pas avoir de grave problème de société. Ça, c'est important. Ce n'est pas l'origine de nous, c'est qui m'a pas eu baissé, c'est qui attitude de problème. Est-ce que vous avez attitude partisan? Est-ce que vous avez attitude extérieure? C'est là pour le moment que je vous dis. Tout est vraiment qui n'a plus là. Il a constitué le problème là. Et il est capable de faire une fois pour transformer un élément de solution. Ce n'est pas mon planète qui va venir manger Haïti, c'est Haïtien pour changer Haïti. Et même Haïtien, on verra, avec tous les défauts qu'on gagne, qui pour maintenant, pour notre direction, pour nous chercher la loi comme nous sommes, au lieu de tomber dans l'ambiance anarchique, pour les langues de chaque monde a besoin de monde. Maintenant, le président. Fait-il parler ensemble avec nous pour le dire nous et l'elfine choisit nous, le mettez nous au courant et qu'il font dernier rencontre ensemble avec nous avant de publier nous. Qui ça le dit nous, les prêts pour le faire comme sacrifice pour débloquer la situation, Evans Paul? Nous gagnons la capacité pour nous mettre tout le travail sur le travail. Et le président dit nous, alors que le sujet tabou est pas sûr à tout. Moi, j'ai une obligation de militaire. Et une obligation de militaire là, c'est par rapport à la discussion avec le président. Ni par rapport à la discussion de la commission, ni par rapport à l'autre monde, on parle avec surtout. Parce que des discussions informelles qui sont avec des camarades de l'opposition, pour avoir les vignes de chaque bataille pour faire cher, pour dire tel palagin, tel, et qu'on a du boulot pour les quatre lagons, moi qui dis pas de palavre, oui, mais si je dis ça dans la zone, je m'en dis, bon, si nous prenons l'engagement, pas de venir, ça va venir, ça, c'est important, mais ça c'est important. Hein. C'est le constat de la gravité de la situation. On va être grave. Là, c'est mon club. C'est mon club qui vient d'être là. C'est pas mon qui nous fait propagande, parce que c'est propagande. Personne n'a pas dit mon fait propagande. Même pour vous, comme de là, le chef syrien n'a pas fait propagande pour lui. Alors, nous venons là parce que nous sommes citoyens engagés, nous sommes patriotes, maintenant, si vous le combat est difficile. Justement parce que c'est difficile, justement parce qu'on pime mon peuple en responsabilité à la gang, justement pas pour responsabilité à mon tête, même dans la façon dont on pour le pomme. Et nous ne va en passer, mais nous paraît encore. Même penser que ça va passer là, dépasser le conflit politique là, bien que nous crise humanitaire, et nous faut chaque monde faire un effort. Le président, je vais poser des questions. Il dit qu'il est ouvert. Nous posons des questions sous mandat, nous posons des questions sous gouvernement, sous fiscalité bagaille, qui va capter des éléments de solution. Il dit, monsieur, moi, il dit nous, toute bagaille qu'à ce tableau. Maintenant, pour nous juger sincérité, président, elle dit toute bagaille qu'à ce tableau, mais il y a des questions qui paraissent plus techniques, nous sommes capables de poser. Là, elle dit toute bagaille capable sous tableau, même mandat, ça veut dire. Est-ce que il est prêt pour répondre à l'exigence et opposition hein?
si c'est ça et qui permet de dénouer la situation. Écoutez, nous sommes dans une crise maintenant et d'accord comme carré du conseil. Moi, traduis en partie, vous posez mon question, moi, traduis en gros le sentiment du président de la République, mais dans toute bagaille, on procédure, et on chita par l'équipe pour faire. Moi, je dis en bagaille, même les gens mourir, constatons les gens mourir, et puis là, on constate les gens mourir, j'ai agenté la même. Nous faisons une autre famille pour déterminer qui veut affrontement, qui j'ai affrontement. Il faut un dialogue, quel que soit les circonstances. Ce dialogue-là, il n'est pas capable de faire dans les séfratés, dans la radio, etc. La radio, nous devons nous rendre compte de qui décision qui prend entre les acteurs. Mais ce n'est pas un chien de faillance pour m'a parlé, vous voyez, nous, quel, c'est l'anglais qui a fait rôle de médiation, sans que ce n'est pas rôle, nous sommes là pour parler la population, information sur les décisions qui prend. Alors, ça c'est important, il y a une crise. La crise, ça, M. Jovenel Moïse parle pour le manger et il est obligé de manger, il faut le faire des concessions. De notre côté, les amis de l'opposition, il faut parler tout pour faire des concessions et concessions, hein, nous faisons nos bases de chita parler. Est-ce que nous devons comprendre, Evans Paul, est-ce que nous devons comprendre, son question, président prêt pour le démissionner, mais il voulait des garanties, il voulait poser des conditions à ça? Je n'ai pas qu'à faire négociation dans la radio. Je n'ai pas qu'à faire une bonne responsabilité. Je n'ai pas conseillé comme rôle de l'évolution, mon rôle d'expérience. Je n'ai pas qu'à faire négociation. Je n'ai pas qu'à dire, si je dis oui, c'est comme si nous avions une réalité commission. Je n'ai pas qu'à responsabilité. Ça, moi, je dis, fondamental, c'est pour bagay partisan ou une réglée, et que problème ça se pose, il y a une soupape. Le peuple apprend la rue, il demande le président va démissionner. Le peuple apprend la rue, il dit des inégalités sociales, il y a une raison pour ça. Il pense que c'est des problèmes fondamentaux. Opposition, montrer le belligérant, il convoque le monde, il mette le monde dans la rue, il va être une autorité et une autorité, il va être une structure. Nous sommes capables toujours à cacher derrière le peuple là, ou nous mettre dans la rue et puis nous avons fini par faire des autres. Mais tout le monde va continuer au côté du pouvoir, à pousser la police là, les policiers dans la rue chaque jour, et ils n'ont pas équipé, ils n'ont mal touché, mal mangé, etc. Je pense que faut un monde qui prend responsabilité, qui compte les problèmes. Enfin, nous disons que nous avons on prend le mot, on prend chaque mot au mot, pour ça et aussi, parce que moi-même, commission, c'est pas un bon job, par exemple, on l'a donné des salaires, et c'est pas un bagage qui fait matière, ça agréable. C'est bon bagage, on ne fait pas de temps, on va être technologique, on va aller voir les clients, on va être technologique. Mais crise qui vient là, qui nous résout hier, alors commission, c'est bon bagage qui vient là, son institution en plus, il n'est pas remplacé l'État en plus, il vient là pour jouer un rôle de bonne volonté pour répondre à une chance de solution à une situation de crise. Monsieur Evans Paul, Monsieur Evans Paul, il y a des gens qui font appel à passer où, qui disent, même Evans Paul, qui je ne j'ai dit en là, a pris tête commission pour encourager dialogue avec des gens qui dit, qui clairement dit, tant dialogue l'a passé avec Jovenel Moïse, c'est même Evans Paul ça, qui en 2003, t'a dit, l'IPAP dialogue avec Aristide, et tant dialogue avec Aristide l'a passé, et est-ce que vous transcendez ou regrettez passer ça ou changer? On dit deux bagages là. On dit le pape dialogue avec Haïti, sans dialogue avec Haïti, il n'y a pas de dialogue. Mais sans dialogue, c'est un sans dialogue. Alors, tout ça, on pose des questions parce qu'il y a plus d'émotions, parce que nous n'avons pas agi avec Haïti. Et Van Paul, toujours un élément de négociation. Et toujours un élément de la chance qui prend position, qui nous vont côté, qui dit ah, et ben là, il a été affiné. Eh bien, il y avait une fenêtre de dialogue avec son adversaire que moi-même, personnellement, j'ai engagé. Et il y en a un élément qui était fait divergent avec moi-même et André Michel à l'époque, qui était porte-parole, c'était ça. Parce que le 27 janvier 2004, moi-même, avec l'autre camarade de la Convergence démocratique, la cité de la 5e adversaire, nous, mettez-nous un petit groupe, nous font un noyau, nous font un canal de communication, aidé par l'Église catholique, à travers Monseigneur Bio qui m'a dit, mon frère, qui était dans nos locales, Monseigneur Arthur Apostolique, pour nous faire une rencontre, sa présidence physiquement, pour nous, c'est le seul qu'on a dit, qui ça nous a
on veut plaquer. Pas de chérie, c'est la guerre. Un fanatique nous dit, bon, mais monsieur, tu as dit ça, mais elle doit être sur le patate. Alors, l'état d'une passé, il dit une fragilité, une force de négociation. Ça va répéter un peu l'anecdote, une force de négociation que nous faisons, que ce soit pendant la période du militaire, pendant le militaire de Parcoin, pendant ma cachée, à parler avec le général Tégras, à parler avec le colonel Michel François. Et qui t'a dit en lui-même, et qui te l'a dit, mon talent, il y a quoi, il faut me détruire, mais il ne s'est pas là avec nous parce qu'il n'a pas voulu l'année américainement. Il m'a dit, le 18 septembre 1994, c'était membre de la commission présidentielle du président de la République. Après, pour l'instant, c'est comme cela. Il était membre présidentiel, une commission présidentielle. L'ESA a été mis fait au même époque-là. Le président a été en exil, on est exil, c'est membre commission présidentielle qui a été filmé. Là, mais c'est obligé de couteau le corps. C'est un pentagone. Mais c'est bon, on compte que bien, il y a un chantier de l'ambassade américaine. Il y a là, c'est mon mission de commander par l'ancien président du militaire, qui gagne l'ancien général Colin Powell, qui gagne l'ancien sénateur Sam, qui dit mission de la BNH. Il dit, monsieur, quand je suis d'abord, l'ambassade américaine, il m'a dit, monsieur, dans un moment, nous présentons le temps du village. Moi, le président ici, le téléphone, il est en exil, il est en canal ici. Il dit, frère, c'est ce qu'on peut faire. Frère, c'est ce qu'on peut faire. Vous avez dit, quittez là, mais à débattre en Chango pour faire militaire et créatif, pour faire au bon méchant. Moi, je n'ai pas d'accord avec ça, parce que ça consiste. Si là, mais à débattre en Chango, c'est d'abord la guerre. C'est d'abord le premier point, c'est d'abord le pilonner du pouvoir national. La raison est simple, c'est la système de transmission là, mais d'Haïti, allons l'autre l'année. Attaquant la l'étranger, c'est le système de communication. Le Front National, la tête de la dedans. Et même mon relation, mon peuple, et puis ce soldat qui est sûr. C'est le seul qui vient de l'ambassade américaine qui est un partisan d'une négociation. Et c'est cette négociation-là qui a abouti à une sorte de capitulation de l'armée d'Haïti. Que M. Edouard, l'ancien président de la Provisoire, a accepté, puis nous fait que l'armée a débattu quand même, elle a débattu en douceur. On est là pour la paix. Et puis maintenant qu'on est là. Et 2000, à 2019, c'est pas la même chose là. Oui, grand pile de coups là-bas pour moi. C'est la même chose. Ou même une pile qui sort. Parce que m'apprenne un pile bagaille, moi un pile bagaille. Et je le dis parce que faut nous privilégier de la vie. Maintenant, sous travail et commission à diriger. Est-ce que là nous pral rencontrer, si vous acceptez de rencontrer nous, membres de l'opposition, c'est Dine Braldio, que le président prêt pour mettre toutes les bagailles sous tapis, même mandat libre prêt pour mettre sous table là, mais il faut venir dialoguer ensemble avec lui. Est-ce que c'est ça qui est le principal objectif et mission nous au niveau de commission ça? Mission nous, c'est de chercher une solution à partir des éléments de la crise. Maintenant, je suis demandé au président aller. Ok? Là.
qui je nous va le procéder pour que nous rencontrer membres qui dans opposition. Il y a une pile réaction qui tombait. Il y a parlé avec plusieurs pour journal Le Nouvelliste, il y a un secteur démocratique et populaire là même qui dit le bagage doit jamais rencontrer ensemble avec nous parce que position claire eux même c'est démission président eux demander pour mettre sur table là. Il y a Fusion Edmond Supplice Bozil qui parlait ensemble avec nous qui dit eh ben lui même personnellement Edmond Supplice Bozil dit pas un problème pour le rencontrer Evans Paul comme citoyen. Mais la commission ça, il ne peut pas reconnaître lui, c'est tant président a gagné pour faire pays à perdre du temps. Il dit seule façon pour que l'État vienne, fils de vienne parler avec la commission ça, faut qu'il y ait mais l'être président, mais l'être démission président, oui, et déjà signé. Donc c'est seulement ça. Puis David parle avec Fusion pour parler avec nous pour dire puis David discuter sur qui Jean président parler parce que il démissionnait déjà. Gagné un boulot tout qui parlait avec le Nouvelliste lui-même qui fixait plusieurs et conditions, lui demander par exemple faut que président assume responsabilité li dans débat que ça pays a connait là. Faut que lui accepter et faut le prêt pour le faire qu'importe sacrifice là, faut le mettre mandat sous table là et à partir de trois conditions ça lui et cap peut-être accepter et rencontrer avec commission et qu'elle mettait sous pied. Comment nous allons rencontrer avec eux là lorsque déjà on dit on va prendre ensemble avec Evans Paul. Nous ne pas les conditions pour l'ancien d'accord avec vous. Avec vous là que ça va me faire. Pour capable ouais, il y a des conditions exclusives. Il faut président, il faut mettre responsabilité, oui, je responsabilité. On ne peut pas être responsabilité du président, mais si matin là, un citoyen n'est pas capable d'aller au travail, si matin, si on n'est pas capable d'école, si on vient par un monde croisé, et puis sur ce kidnappé, etc., c'est responsabilité du président, parce que c'est chef de l'État, il est capable de diriger l'État, c'est lui qui garantit la bonne place de l'institution. En ce sens, le président n'est pas capable d'aller au travail, il n'est pas capable d'aller au responsabilité. Maintenant, Monsieur Paul, tout à l'heure, on dit, ma résumé dans propre thème, pas moins, ce n'est pas l'avenir de Jovenel Moïse qui route, mais c'est l'avenir du pays. Et bien, c'est synthétisé, tu as dit, dans mot pas moins. Est-ce que ça t'a dit pour même débat pour qu'on y a là, c'est pas est-ce que Jovenel Moïse a prêté fait 5 ans, mais c'est comment il doit aller? Qui ça pour nous faire pour nous débloquer la situation? Parce que moi-même, pas d'accord pas à l'opposition, en tout cas, qui n'a pas rencontré avec organisation politique là même. On va parler
même si j'aime pas les mondes, des accords, mais comme il y a la capacité pour nous non parler, mais les débouchés sont un accord sur tel point, sont des accords sur tel point. C'est ça qui fait le peuple après nous, pour nous dire responsable, mais pas en bonne matin, on l'ouvre, pas en bonne bagaille, et puis pas de la vie, on n'a pas la tête, non, et puis on va avoir 15 résultats complets sur la vie citoyenne. Evans Paul, nous finissons, mais Georges Daniel Fort est dans la commission en 2016, où tu es fini premier ministre, oui. Et où on dit quelque chose avec la commission, peut-être que l'on a fini président. Si tu veux dire que j'ai un bagage de charge, c'est pas ça, ma plus grande. Je ne sais pas si je suis pas personnel. Non, je n'ai pas de bagage de ma plus grande. Je suis politique, toujours dans mon ministre politique pour la vie. Mais je n'ai pas de bagage personnel, je n'ai pas de job, je suis cherché. Je suis cherché pour y avoir une solution à ce niveau-là. Et si vous voulez, comme moi, on est une provocation. Elle dit provocation. C'est le sens politique du terme. Pour qu'on ait que. Non, moi-même, mon partisan, si tu as un temps politique, ou un premier ministre qui sont dans l'opposition, qui sont figures connues, tout ça. Moi-même, pour une cohabitation harmonieuse entre le pouvoir. Bon, transition, sans transition, bon, que nous faisons transition ensemble, nous n'avons vraiment rien de constitution. Monsieur Dupont, il n'a pas eu beaucoup de service. C'est pas une base de travail du cœur. On nous garde des bagages là, pas une base personnelle. Bah, une façon pas là, c'est qu'on est en place là déjà. On a cherché là, c'est la paix pour payer. Merci à vous, Evans Paul. Qu'est-ce que vous avez là? Bonne journée, bon travail. C'est un plaisir, bon travail pour son appréciation. À bientôt. Voilà, Evans Paul.